Julie présente dans ma télécabine La Mission en partenariat avec France Montagne. Hey, salut tout le monde. Alors j'étais tranquillou dans ma télécabine et là, bim, atterrissage dans les Vosges, dans la station de la Bresse, pour une nouvelle mission. Alors, voix des montagnes, quels sont les candidats du jour? Alors, nous recevons chez Les Rouges aujourd'hui Nathan, 9 ans, un pro du VTT, accompagné de son papa Guillaume, qui est commercial. Ouais, go, 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 go. Face à eux, du côté de l'équipe bleue, deux montagnards. Arthur, 9 ans, un constructeur de cabanes hors pair, et son papa Raphaël, qui est responsable technique. Voilà. Ah, ils sont chauds, je les sens bien aujourd'hui. Il y a de l'aventurier, il y a du style, il y a du sourire. Comment ça va les garçons? Bien. Je vous propose aujourd'hui une véritable chasse au puzzle en VTT. Les enfants, on a positionné sur la piste, que vous connaissez, des bouts de puzzle qu'il va falloir que vous retrouviez. Quant à vous, les parents, il va falloir que vous les guidiez. Il faudra donc leur donner des informations en permanence. L'équipe qui aura reconstitué le puzzle la première remportera la partie. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Un petit cri de ralliement avant de commencer. Go, 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 go. J'adore. Allez, mettez-vous en position. Allez, bonne chance aux deux équipes. 3, 2, 1 et top. Et c'est équipé de leurs coudières, genouillères, casques et dorsales que Nathan de l'équipe rouge et Arthur de l'équipe bleue s'élancent sur la piste. Les papas, quant à eux, ont sur un papier les instructions pour les aider à retrouver chacun leurs 4 pièces de puzzle. Et c'est par téléphone qu'ils vont guider leur fils équipé d'oreillettes. Tu vas arriver sur une barrière. Tu vois le panneau vert numéro 28? Ouais. Non mais il y a une barrière à côté à proximité. Oui. Regarde, elle est posée par terre. Nathan de l'équipe rouge est le premier à découvrir la première pièce du puzzle. Il remonte sur son vélo et file vers le deuxième point. Arthur des Bleus vient de trouver la première pièce également. Il file tel un éclair pour tenter de rattraper son retard. Tu vas arriver à un moment donné dans la forêt, tu auras un panneau vert numéro 23 et là tu auras une pièce de puzzle sous un buisson, d'accord? Nathan de l'équipe rouge et Arthur de l'équipe bleue sont au coude à coude et dévalent la piste à vive allure. Ils doivent trouver la seconde pièce du puzzle qui est à côté de la balise numéro 23. 24. 24, vas-y, descends, c'est après. Vas-y, descends. 23. Voilà, maintenant tu recherches sous un buisson. Donc tu dois avoir une pièce de puzzle qui doit être sous un buisson, d'accord? Arthur de l'équipe bleue se jette sur la deuxième pièce du puzzle. Il prend donc la tête de la course, mais Nathan ne tarde pas à trouver la seconde pièce également. Ils foncent à présent comme des fusées vers le troisième emplacement. Allez, c'est parti. Donc tu descends et la troisième, elle est près du road gap. Le road gap? Ah non, mais vas-y, tu sors du bois, tu vas traverser normalement le chemin de 4x4. Tu vas te retrouver sur la piste rouge qui est près du télésiège. Oui, bah oui, c'est bon, on est pas. C'est sur le jump, c'est-à-dire qu'il faudra que tu descendes du vélo, que tu ailles sur la structure et ce sera sur le saut. C'est sur ce road gap, ce tremplin qui sert à sauter en VTT par-dessus la route qu'Arthur des Bleus et Nathan des Rouges récupèrent la troisième pièce du puzzle. Arthur redescend rapidement et prend une légère avance sur Nathan. Il ne leur manque plus qu'une seule pièce du puzzle. Qui sera le plus rapide? Voilà, donc tu descends nous retrouver au niveau du télésiège et après tu vas directement à l'acrobranche. Non, oh là là, Nathan est repassé devant Arthur, c'est la dernière ligne droite. Ah, je vous vois, super. Allez les gars, c'est parti. Voilà, c'est bien, allez-y. Et jusqu'à la structure. Hein. Allez, c'est très bien. Allez Nathan, la structure elle est là, en passant par l'escalier. Allez, Arthur, vas-y, à fond. On va directement à la structure, chercher la pièce du puzzle. Dépêche-toi, monte dedans. Et tu fouilles. Oui, dépêche-toi, monte. Elle est peut-être tout au fond. Ah, je la vois, moi, tout au bout. Allez, traverse. Cette structure d'acrobranche est la dernière étape du parcours. C'est ici que se trouve la quatrième et dernière pièce du puzzle. Allez, reviens, fais demi-tour, vite, fais demi-tour. Voilà, très bien, Arthur. Allez, vas-y, repars maintenant. Allez, tu reprends le pont de singe, voilà, hop. Non, Nathan, prends-le à la main. Nathan de l'équipe rouge a les 4 pièces, mais il perd du temps. Arthur des Bleus le dépasse. Nathan, prends-le dans la main. Il ne reste plus qu'à fabriquer le puzzle pour gagner. Allez, vite. Allez, vite, faut faire le puzzle maintenant. Vite. Mais qui sera le plus rapide? Quoi? Ouais. Et c'est une victoire pour l'équipe rouge. Ouais. Mais quelle aventure, quel plaisir. Mais vous êtes des fadas quand même, hein. Vous êtes allés vite sur cette piste. En tous les cas, aujourd'hui, il fallait une équipe gagnante. Et les gagnants sont Nathan et Guillaume. Ouais.
Nathan et Guillaume, vous avez remporté un pass d'une journée dans ce parc d'activités en plein air. Et nos deux équipes repartent également avec cette sélection de produits locaux. En tous les cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très très bientôt. Et vous, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Dans ma télécabine, la... Mission ! Ciao ! Oh, t'as crié trop fort là, Nathan.